Salut à tous et à toutes, c'est aujourd'hui pour la révélation du premier skin, le skin qui va break the internet, le fameux skin de Diva pour l'event anniversaire. Donc un des premiers skins légendaires qui ont été dévoilés. On le regarde d'abord et on en parle juste après. Alors, regardons déjà de façon générale, puisqu'ils nous font une danse en même temps, etc. Mais ça, on verra après. Donc, de façon générale, c'est un mecha Salt, pour ceux qui ont connu, un mecha vraiment avec une tête, etc. Un vrai mecha, pas un robot, simple, un mecha. Un mecha, et donc un mecha qui a une tête tout en haut, qui voilà, va représenter vraiment un vrai fighter. Donc, très sympa, mais... Je sais pas, il y a un truc qui... Je sais pas, je trouve un peu trop standard, même si le skin est vraiment bien. De là à dire qu'il va break the internet, je ne sais pas. Mais ça va peut-être revenir à la référence dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, où effectivement, l'event anniversaire sortait en même temps qu'un des très grands groupes de K-pop qui sortait leur nouvel album, leur nouveau hit. Et étonnamment, on est toujours dans le thème coréen, donc... Voilà, c'est chose faite, la Corée qui l'emporte encore une fois, et donc un thème coréen 100%, puisque Mini Diva est aussi en coréenne, en écolière, en je ne sais trop quoi, ouais, on va dire écolière. La coiffure, on peut peut-être en parler, les nattes. Je suis pas fan des nattes et la couleur de cheveux. Ah, j'ai un peu du mal. On va s'y faire. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, pourquoi pas. Mais sinon, de façon générale, ouais. La skin est quand même sympa. Après, voilà, il y a toujours les fameux pervers qui ouvrent la jupe. Ils en pourront plus. Mais, ouais, le gun, etc. De façon générale, on a un skin qui est quand même assez sympatoche pour un mini diva, en tout cas. Et le mecha... Je sais pas, il est beau, de façon générale, il est très très beau, mais je sais pas, il manque d'un coup, d'un truc qui me dit, qui me fait dire waouh. Et là, ce petit truc est pas là, même si l'attention apportée avec la tête de robot sur le mecha est vraiment très sympa. Mais de façon générale, j'espère que, en tout cas, on peut toujours espérer, nous sommes à l'anniversaire, au troisième anniversaire, et qui vont enfin nous apporter des skins légendaires qui feraient un peu comme ceux qu'on a eu sur le All-Star première année, pas ceux de cette année puisqu'on s'est fait arnaquer, où il y aurait des voice lines ou des custom sounds particuliers. À voir. Mais en tout cas, c'est le premier skin de l'event anniversaire qui a été dévoilé. Donc, en tout cas... Je ne sais pas s'ils vont dévoiler le reste, ça m'étonnerait, peut-être, ne jamais dire jamais. Mais en tout cas, l'event commencera du coup, comme prévu, mardi 21. Et attention, parce que normalement, c'est censé commencer évidemment à 20h, comme à chaque fois. Je vous préviens aussi, parce que je ne sais pas si je ferai des vidéos par rapport à ça, n'oubliez pas, parce que... Le reset a lieu lundi soir à lundi, entre la nuit de lundi et mardi à 2h du mat. Ne faites pas vos arcades, ou en tout cas, ne faites pas trois arcades pour justement avoir cette lootbox avant l'event. Ça serait bête. Donc gardez ces lootbox, ce rush d'arcade pour l'event. Vous avez attendu, allez, vous avez à attendre 18h, ça va. Donc faites pas d'arcade pendant 18h, vous serez serein et donc vous aurez droit à 3 lootbox par la suite. Donc voilà, on va se quitter là-dessus, je vous fais plein de gros bisous, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt, bye.